Bien heureusement, la Coupe du Monde, c'est d'abord et avant tout une grande fête populaire. Et s'il y a bien un commerce qui profite à fond de l'effet football et Coupe du Monde, c'est bien sûr la pizzeria, hein, très certainement. Ici à Tourcoing, cette chaîne ne désemplit pas les soirs de match. Peu importe l'heure, les commandes s'enchaînent pendant cette Coupe du Monde. Entre amis ou en famille, la pizza est-il vrai une solution facile pour nourrir tout le monde devant la télé? Ce n'est pas forcément gastronomique ou diététique, mais c'est pratique, convivial et efficace. L'enseigne reconnaît ainsi un véritable essor de ses ventes depuis le début du mondial, et c'est encore mieux quand l'équipe de France se joue. Les responsables sont forcément devenus les meilleurs supporters des Bleus dans la compétition. Explication en du gérant de cette pizzeria donc à Tourcoing, au micro de Louis Caillet. Il n'y a pas forcément de dispositif spécial. Après, l'enseigne est venue auprès de nous en nous disant bah, « prévoyez voilà, plus d'ingrédients, forcément, les ventes vont augmenter. Prévoyez également du personnel supplémentaire afin de faire face. Il y a un boom, c'est assez impressionnant. J'ai vécu, la seule Coupe du Monde que j'ai vécue, c'était 2010. Voilà, là on sait ce qui s'est passé, l'équipe de France s'est plantée. Et là, il y a un renouveau depuis la qualification de l'équipe de France contre l'Ukraine. Et on ressent que les gens sont vraiment derrière l'équipe de France et en magasin, nos ventes augmentent.